On m'appelle depuis bientôt 70 ans Gilbert Espinas. Je suis né ici même, donc, au printemps 44, donc. Et je ne suis jamais parti d'ici, si ce n'est pour faire le service militaire ou quelques petits voyages ici, à droite ou à gauche. J'ai toujours travaillé ici. Je suis né dans une famille de paysans qui étaient paysans depuis très longtemps, puisque mes ancêtres sont ici depuis au moins la fin du XVIe siècle. Mon grand-père Théophile était né en 1878, ici donc à Sévignac. Il avait continué la ferme à la suite de son père, et ensuite il a légué la ferme à son fils, mon père. Et si j'ai choisi de faire paysan, c'est certainement à cause de lui, car il aurait été vraiment très très déçu et malheureux de constater que son seul héritier mâle qu'il y avait à Sévignac ne faisait pas paysan et que demain, il n'y aurait plus d'Espinas à Sévignac. Tout en bas coule l'Aveyron, perché en bordure de la vallée, le hameau de Sévignac avec la ferme Espinas. 25 hectares cultivables à l'origine, Gilbert puis son fils Vincent ont acquis 9 hectares de plus, s'y rajoutent aujourd'hui 23 hectares en fermage, 57 hectares au total donc. Les terres s'accrochent aux premières pentes de la vallée, où elles s'étendent sur la croupe qui court jusqu'au saut du Rougier de Marcillac. Si je me compare à la moyenne mondiale de surface par paysan, nous sommes une très grande ferme, car la moyenne mondiale, je pense, est que d'un hectare et quelques par paysan. Il faut savoir cela. Oui. Non, mais vu dans le contexte où nous sommes, donc, nous avions à l'époque une ferme moyenne, disons, en surface, mais en terrain difficile, car en pente et très séchant, car maigre. Mais bon, j'y ai vécu. Nous avons élevé nos 4 enfants avec ma femme. Nous avons mangé à peu près à notre faim. Ma foi, je ne regrette pas donc ce que j'ai fait, hein. Depuis que je suis né, depuis que je marche, on m'a conduit au champ pour aider à ramasser les pierres. Et tous les ans, il faut ramasser des pierres chez nous. Nous laborons un jour, nous ramassons des pierres une semaine. Du fait que nous sommes sur un terrain très maigre, chaque fois que l'on passe avec la charrue, ou même avec certains autres outils, on ressort des pierres en surface, donc, et qu'il faut bien retirer, sinon après quand on passe avec les autres machines, on risque fort de casser pas mal de choses. Nous sommes dans un pays qui est très agréable au niveau esthétique, mais qui pour faire paysan n'est pas le plus facile, car nous sommes en terrain accidenté. Vous pouvez admirer comment la vallée de l'Aveyron est quand même assez prononcée. Et j'y suis resté, oui, j'y suis resté. Mais mon fils a voulu y rester aussi. Je lui avais dit auparavant, peut-être nous pourrions partir ailleurs pour trouver quelque chose d'un peu mieux, un peu plus facile pour faire paysan. Ah, pas question, je veux rester ici. Nous sommes tranquilles, pas loin de la ville, mais pas embêtés. On veut rester là. Eh bien, écoute, reste là. Voilà. Plus on travaille et on peine sur un territoire, plus on s'y attache. C'est important, ça, à connaître. C'est pour cela que souvent dans les régions de montagne, les régions difficiles, les gens sont beaucoup plus attachés à leur terre que dans les grandes plaines riches. Thank you.
mes parents ils sont agriculteurs et ils sont dans une agriculture conventionnelle. Et quand je leur ai annoncé que j'avais un compagnon qui était paysan, alors déjà d'être paysan c'est embêté parce qu'ils ont dit encore ça va être de la galère. Mais en plus bio, qu'est-ce que c'est ces gens un peu originaux. Puis finalement, une fois qu'ils les ont rencontrés, ils se rendent bien compte que c'est des paysans avant tout et qu'après c'est une autre manière de travailler et une autre philosophie de vie surtout. Ah, mes pommes de terre, qu'est-ce qu'elles ont de plus, je n'en sais rien, elles sont bio, elles sont cultivées sans aucun engrais ni traitement chimique, elles sont garanties sans conservateur ensuite, sans antigermes bien évidemment. Après, est-ce qu'elles sont meilleures, est-ce qu'elles sont moins bonnes, c'est au consommateur de le dire. Ah, Gilbert Espina, c'est un grand personnage. Moi, je crois que c'est quelqu'un d'admirable, qui est très intéressé par tout. Par les personnes, par tout ce qu'il voit, et tout l'intéresse. Et intéressant parce qu'il a toujours des choses à raconter, ce qu'il entend, ce qu'il voit, et il a envie tout le temps de le faire partager avec tout le monde. Et tout le temps au quotidien, il est de bons conseils, il est toujours posé, réfléchi, et oui, c'est un plaisir de le côtoyer tous les jours. Voilà, il y avait une petite queue à la patate. Voilà. Et voilà, les sangliers, comme ça, ils ne les mangeront pas, celle-là. Ça, c'est pour qui, ça, les patates? Pistache. C'est pour pistache, le cochon. Viens, il faut ramasser encore d'autres. Regarde, ils en ont pas assez, les cochons, les patates. Il n'y en a pas beaucoup. Et non, mamie, elle va les faire cuire, et puis elle donnera au cochon. Vincent, le fils de Gilbert, et Gildas, avec qui il est associé au sein d'un GAEC, un groupement agricole d'exploitation en commun, élèvent leurs moutons dans une bergerie toute neuve. Le confort de travail qu'elle leur procure ne leur fait pas oublier les années de galère qu'a vécu Gilbert. C'est qu'il ne faisait pas bon, en plein dans les 30 glorieuses de l'agriculture, prendre des voies différentes. Pour être défricheur du bio, il fallait un cœur de pionnier. Il a galéré au début parce qu'il s'est lancé dans le bio et tout le monde est tiré à boulet rouge dessus. Mais il a été convaincu par son idée, par ses choix et il a continué là-dedans. Et en fait, avec du recul, c'est grâce à lui finalement que maintenant moi je peux continuer à être paysan et qu'on a pu installer Gildas. Et que surtout, que la ferme continue à Sévignac, quoi, qu'il reste encore des paysans à Sévignac. Alors mon père, bien sûr, n'était pas du tout convaincu et satisfait de ma nouvelle attitude. Pas du tout, du tout. Ah, il m'a dit, mais, il m'a dit, tu es fou, il m'a dit, mais au moins de là, du scorie. Tout le monde met du scorie, si tu ne veux pas mettre dans mon nitrate, mets du scorie. Et puis il me disait, mais pourquoi alors est-ce que tu es allé à la ROC, à l'école d'agriculture? Ça n'était pas la peine, tu aurais dû rester à la maison. Puisque maintenant, tu fais tout le contraire. Dans les premières années, on vient de passer 7-8 ans au niveau des cultures, surtout céréales, pour maîtriser un peu la chose, car ces personnes qui nous conseillaient ou qui nous vendaient l'algue marine n'avaient pas de base agronomique. Et nous faisaient faire un peu, pas n'importe quoi, mais si, nous faisaient faire des choses qui n'avaient pas tellement lieu d'être. Et j'avais également un oncle là, sur la colline en face, et il venait nous voir assez fréquemment. Et je me souviens, une fois, il était venu, c'était au printemps, nous avions un champ de blé dans le coteau, qui est un coteau quand même assez maigre, là. Et le blé, c'est vrai, était venu jaune au printemps, manquait de l'azote. Par contre, à côté, le voisin en avait également semé, et le sien, qui avait été arrosé avec un peu d'ammonitrate, était bien vert, apparemment très, très vigoureux. Et mon oncle qui me dit, mais il me dit, t'as vu comment ton blé, là? Il me dit, bon, il me dit, mais
Mais tu n'as pas honte d'avoir le blé comme ça, quand tu es du voisin, là, même, voyons. Mais si un peu, mais rien qu'un peu, si tu veux pas en mettre beaucoup. Tonton, j'ai dit. Je lui ai dit que je n'en mettais pas du tout. Il n'y a pas de demi-mesure. Je n'en mets pas du tout. Et puis écoute, tant que je ne viens pas te voir en fin d'année pour me payer les impôts ou les dettes, dors tranquille. T'en fais pas, dors tranquille. Et voilà, donc tout cela et d'autres versions aussi, des fois quelques plus piquantes même. Certains qui disent « Oh, mais nous avions eu quelques problèmes, ma femme a eu des problèmes de santé, et nous n'avons pas eu les enfants tout à fait au début de notre mariage. » Et certains disaient même « Oh, heureusement qu'il n'a pas d'enfants, parce qu'il ne pourrait pas les nourrir. » Ce n'était pas très agréable tout ça à entendre, mais ça n'en a pas fait reculer d'un pas dans mon choix. Bien au contraire, ça n'a fait que me conforter, me rendre encore un peu plus efficace peut-être. Parfois certains, jamais personne ne me l'a dit en face, mais certains disaient « Oh, mais quand j'avais, au bout de quelques années, quand j'ai réussi par un assolement différent à avoir des cultures à peu près correctes après, des céréales, certains disaient « Oh, mais il va mettre la moutrate la nuit certainement, parce qu'avant il n'avait rien et maintenant il a le blé qui est à peu près correct, il se lève la nuit pour aller mettre la moutrate. » J'avais dit à quelqu'un qui m'avait rapporté le propos, j'ai dit, écoute, tu diras à celui qui te l'a dit que s'il me connaissait, il ne parlerait pas ainsi parce que je ne suis pas assez vaillant pour aller travailler la nuit. Bien bon que je travaille encore la journée. Voilà, donc tous les débuts qui étaient, c'est vrai, parsemés d'embûches, surtout au niveau de l'appréciation de tout l'environnement. Pas de mes voisins immédiats, car je n'ai jamais eu de problème d'échange ou de comportement avec mes voisins. Mais après, je sais très bien que dans les instances dirigeantes, bien sûr, professionnelles, surtout, il ne fallait pas dire qu'on était bio. Si on voulait obtenir, je ne parlerai pas d'un privilège, même simplement ce qui nous était dû, car le bio, c'était vraiment vu comme quelque chose de tout à fait stupide, tout à fait insensé, tout à fait impossible à mettre en pratique et à faire pour nourrir le monde. Non, ce n'était pas sérieux. Voilà, c'est le mélange que nous utilisons pour fertiliser nos terres, le seul amendement que nous utilisons. C'est un complexe d'algues marines et de gypse. Pourquoi de gypse, qui est une pierre naturelle donc? C'est parce que le gypse contient du soufre. Et l'algue marine en contient mais très peu. Et dans notre terrain, nous avons besoin d'apporter du soufre et nous sommes carencés. C'est le seul amendement, le seul engrais que nous utilisons sur notre ferme avec le fumier des moutons qui est composté, et cela depuis 40 ans au moins. Alors c'est bien de regarder travailler les autres. C'est magnifique, surtout d'être à l'ombre avec ce beau soleil. C'est intéressant. Dans la vie, il y a un temps pour tout, on m'a toujours dit. Il y a un temps pour travailler et un temps pour laisser travailler les autres. Et regarder. La retraite totalement,
Pour moi, non. Et je ne le souhaite pas. Car quand on a passé toute sa vie paysan sur des terres, à faire des activités qui se répètent annuellement, s'arrêter d'un coup, à mon avis, n'est pas une bonne chose. C'est comme celui qui a une activité ailleurs et qui, du jour au lendemain, arrête totalement. C'est rare que ça ne lui pose pas quelques problèmes. Mais c'est vrai que peut-être prochainement, eh bien, s'il arrive que je ne puisse plus remuer les jambes ou les bras, ou que j'ai la tête qui tourne à l'envers, il faudra carrément laisser faire tout aux autres. En attendant, on essaye de bricoler par là, donner un coup de main, rouspéter surtout, donner des conseils, et tout ça bénévolement. C'est une période qui ne m'a jamais été désagréable car j'aime beaucoup le soleil et l'été. Je crains le froid et je ne crains pas trop le chaud. Puis les jours longs avec la végétation, les arbres en feuilles, les fleurs qui fleurissent un peu partout, c'est agréable. Il y a différentes senteurs qui se changent d'un jour à l'autre. L'odeur du foin coupé, là, quand on vient de le faner le soir, ce sont des senteurs qui sont, je trouve, très agréables pour moi. C'est vrai que j'ai connu une époque où on rentrait le foin en vrac comme aujourd'hui, mais avec la fourche. Et tout petit, je me souviens que nous partions accompagner nos parents dans le pré, dans le champ, avec une petite fourche, un petit râteau, pour aller tourner le foin, aller râteler un peu au bord du champ. On allait ensuite charger, ah, c'était le plus terrible ça. On allait charger avec les bœufs à l'époque, sur un char à bœufs. Et ma mère faisait passer le foin à mon père qui l'arrangeait sur la remorque, sur le char, ce n'est pas une remorque à l'époque. Et nous, les enfants, il fallait rester devant les bœufs pour qu'ils n'avancent pas, qu'ils ne partent pas. Et comme il y avait souvent beaucoup de mouches, c'était en plein après-midi, les bœufs n'arrêtaient pas de donner des coups de tête. Alors on nous donnait une branche d'arbre, et avec la branche, il fallait chasser les mouches et les temps qui piquaient les bœufs. Sinon, quand il faisait des grands coups de tête, mon père qui était sous la remorque, il me disait, allez, il me disait, active-toi un peu, qu'ils vont me foutre en l'air, ils vont me faire tomber. Et c'était un travail qui ne me plaisait vraiment pas du tout. Je préférais râteler, tourner avec la fourche, que d'être devant à rester là et à faire partir les mouches. Ah, ça ne me plaisait pas du tout, ça. C'est vrai qu'autrefois nous rentrions du foin pendant un mois et demi, voire deux mois presque, et il fallait y faire un peu tous les jours, alors qu'aujourd'hui, quand le temps est à peu près correct, dans une grosse semaine, dix jours, nous rentrons le foin, et puis sans forcer beaucoup, puis on reste presque tout le temps assis sur le tracteur, ou dans la griffe après pour rentrer en grange. Les fourches, aujourd'hui, on ne les utilise plus, le râteau, c'est vraiment assez rare, et voilà, on n'utilise que les machines. Mais il faut les acheter, les machines, il faut les entretenir. Et parfois, elles tombent en panne. Alors là, c'est vraiment... Ah, c'est vraiment un peu après la débandade, quand ça tombe en panne en pleine activité. Ah, alors là, mon pauvre, c'est la tête qui tourne, parce qu'on m'a laissé périr tout le foin, et on en a coupé beaucoup. Et, ah, mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut vite se faire dépanner, mais le mécano, il n'est pas libre, il est parti ailleurs. Et alors là... Ça travaillait les méninges au lieu de travailler les bras. Et c'est aussi agréable de tenir un râteau dans les mains que de tenir un volant, car tenir un volant de tracteur toute la journée, c'est très fatigant, contrairement à ce que vous les gens pensent. Très fatigant. Surtout psychologiquement, le bruit, toujours attention, on va accrocher là, on va... Pouh, ça n'est pas aussi évident que certains pensent, dans nos terrains difficiles. Le foin rentré encore vert finira de sécher dans la grange grâce à une circulation de l'air récupéré sous le toit chauffé par le soleil.
Cette grange, cette bergerie, Gilbert et son fils Vincent les ont en grande partie construites de leurs mains. Et on fait différentes variétés de pain. Et vous ne faites que du pain? On ne fait que du pain. Avec la farine qui vient de nous? Alors la farine, c'est de la farine en bio qui vient du moulin de Cologne en Lozère. Ah, de Cologne, je connais. Vous je connais. Oui, 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 oui. Voilà. Mais moi, je vous connais de nom, je suis contente de vous voir là. Moi, maintenant, je ne connais plus las personnes, même plus les belles dames maintenant. Un petit cabetou à point. C'est ici, dans ce village de Marcillac, il y a bientôt un demi-siècle, que j'ai découvert autre chose, une façon différente de travailler la terre, que je ne connaissais pas, que je n'avais pas appris l'agriculture, et qui m'a vraiment fait changer de cap radicalement au niveau de mon travail quotidien. C'est ici que j'ai découvert l'agriculture biologique, un 18 janvier 1968, ça fait déjà longtemps, j'étais jeune à l'époque. Ça va bien? Comment vas-tu? Ah, comment vieux, mon pauvre, maintenant? Ah là là là. Je vois que ton commerce marche bien, tu as presque tout vendu. Ouais. Eh bien, c'est bon, il remplit la caisse. Gilbert, c'est le premier paysan, en fait, que j'ai rencontré quand je suis arrivé en Aveyron. On a débarqué, on arrive de Corse. Il m'a encouragé, déjà, parce que c'est pas si évident que ça, à l'époque. De trouver des gens qui ne décourageaient pas les jeunes, c'était pas mal. Lui, pour le coup, il m'a plutôt encouragé. Et il m'a prodigué des bons conseils aussi. Ouais, c'est quoi ton audio? Aïe, vas-y. Et tout ce foirail était rempli de moutons. C'est ici d'ailleurs que nous voulions vendre nos animaux. Et quand j'ai eu vendu dans mes moutons, j'étais par ici. J'avais aperçu en montant une camionnette avec des beaux pains. Je me suis dit, tiens, il faudra que j'aille faire un tour. Et quand j'ai eu vendu, donc, je suis avancé à la camionnette et j'ai découvert donc ces personnes qui promouvaient l'agriculture biologique au travers de pains, au travers des pieds de blé, au travers de sacs d'engrais. Et cela m'a fortement intéressé, même convaincu, car à partir de là, j'ai réfléchi beaucoup plus que précédemment et je me suis rendu compte que ce que j'avais appris n'était pas totalement faux, mais ce que je venais d'apprendre était encore certainement autant vrai si ce n'était un peu plus. Et ce qui m'a permis donc de changer vraiment après mon comportement au niveau de mon travail. Et ça dure encore. Par contre, quand ils ont abordé un problème différent, que je croyais différent moi, mais qui est normalement intimement lié, le problème des vaccinations, j'ai été vraiment surpris et je n'ai pas admis leurs propos qui mettaient les vaccinations en cause dans la santé fondamentale des animaux et des humains. Alors là, je n'ai pas admis ça. Non, non, ça me paraissait vraiment dépasser la mesure. Au fur et à mesure que j'ai lu quelques ouvrages, que j'ai assisté à quelques conférences sur ce point-là, que j'ai fait même quelques observations chez moi avec les animaux, je me suis rendu compte que leurs propos étaient tout à fait justes. Car nous sommes arrivés, même aujourd'hui, ça fait depuis très longtemps, à ne vacciner contre rien nos animaux. Au moins 35 ans. Au moins 35. Contre rien. Contre rien. Et ma foi, je n'ai pas plus de pertes, je pense, que la moyenne environnante. Si je juge par le camion et les carisseurs qui passent de temps en temps dans le pays, même hélas, un peu trop régulièrement, à mon avis. Eh bien, je pense que nous sommes même très en deçà de la moyenne à utiliser ce service-là. Le dimanche qui a suivi la foire de Marcillac, je prends la camionnette et je m'en vais chez le dépositaire local de cette maison que j'avais rencontré à la foire.
pour chercher quelques sacs de cette algue miracle. J'en ramène, je ne me rappelle plus, 300 ou 400 kilos, car ce produit était quand même assez cher à l'époque. Et puis, arrivé le printemps, même avant le printemps, j'en ai mis, comme on nous avait conseillé, sur les différentes cultures que nous avions, des prairies naturelles, artificielles, des céréales, printemps, d'automne, et des patates pour terminer après la plantation. Ces premiers essais, plus ou moins bien menés, sans formation et hors de toute expérience de l'agriculture biologique, donneront des résultats aléatoires. Une constatation surprenante va inciter Gilbert à persévérer néanmoins. Quand nous avons sorti les brebis au pâturage, j'ai observé sur une prairie que nous avions au-dessous, que nous avons toujours d'ailleurs, où j'avais mis d'un côté encore du scorie, qui était l'engrais utilisé chez nous par tout le monde à l'époque. J'ai mis donc du scorie d'un côté et de l'algue marine de l'autre. Tant que les brebis n'ont pas eu râpé totalement le côté où il y avait eu l'algue, elles n'ont pas mangé l'herbe où j'avais mis le scorie. Ah, je me suis dit, là, il y a quelque chose d'intéressant, là. Ah, bon. Même que le céréal n'ait pas répondu très positivement, je me suis dit, si c'est bon pour les brebis, peut-être que je m'y retrouverai après au niveau de la santé ou de la production. Et autre point aussi qui a été positif, ou du moins pas négatif, c'est sur les pommes de terre. J'avais laissé, je me rappelle, 6 rangées au milieu du champ, où je n'avais pas mis d'engrais chimique, parce qu'à l'époque je mettais un engrais spécial patate qui était très performant, apparemment, très cher d'ailleurs aussi. Et là où j'avais mis seulement un peu de poudre d'algue marine, je n'ai pas vu de différence ni en culture, ni en arrachage. Il y avait la même récolte. Ah, je me suis dit, là j'aurais pu faire quelques économies, parce que l'algue marine, bien que chère, me coûtait quand même moins que l'engrais chimique. Et voilà donc pour les premiers débuts. Ensuite, dans cette maison qui nous vendait l'engrais, s'est mis à vendre un condiment minéral pour animaux, et j'en ai acheté pour donner aux cochons. Nous avions à l'époque 4 ou 5 truies, nous faisions une production de porcelet, comme beaucoup d'autres voisins. Et c'est vrai qu'avec ce genre de production, sitôt arrivé 3 semaines, un mois, on avait des diarrhées sur les petits, il fallait piquer, repiquer, ça guérissait, ça crevait, ça. C'était pas très, très efficace, donc. Je me suis mis à leur donner de ce condiment minéral supplémenté avec de l'algue marine, des essences de plantes. Et alors là, j'ai été vraiment, ma mère qui s'occupait à l'époque de ces cochons, a été vraiment très satisfaite de voir que les diarrhées progressivement ont disparu chez les petits. Ce qui m'a amené ici, tout d'abord, c'est l'envie d'être paysan et l'opportunité qui m'a été offerte par la famille Espinasse de m'installer sur une ferme en agriculture biologique, car c'était le seul mode de production que j'envisageais pour une installation. Et Vincent m'avait contacté, donc Vincent, le fils de Gilbert, m'avait contacté en me disant qu'il cherchait un associé. Et c'est vrai que moi, connaissant un peu la ferme, le contexte, je me suis à ce moment-là posé la question de dire est-ce que c'est pas une opportunité pour toi. Du coup, j'ai commencé par venir un peu le week-end pour apprendre à connaître Vincent. On a travaillé un petit peu ensemble. Ensuite, il m'a proposé de démissionner de mon travail d'animateur et de me prendre salarié pour continuer le test, en fait. Et puis, de fil en aiguille, en fait, je me suis associé en rachetant des parts sociales et en intégrant le GAEC en remplaçant la maman de Vincent. C'est vrai que je regrette pas mon choix, ça a été pour moi un bol d'oxygène et c'est vrai que je m'éclate dans ce métier, quoi. Alors
pour moi déjà, Gilbert Espinas, c'est un homme très attachant. D'une part par son, moi je dirais en premier, par son côté humain en fait. Il est très proche de l'humain et en fait se préoccupe beaucoup de savoir un petit peu comment vont les gens autour de lui, etc. Et puis c'est aussi un pionnier dans l'agriculture biologique, quoi. C'est vrai qu'il a eu ce courage à une époque qui était sûrement moins facile qu'aujourd'hui pour imposer ces idées-là. Et il a navigué un peu à contre-courant et je pense que c'est un exemple de persévérance par rapport à des convictions qui lui étaient propres, quoi. Vincent lui ressemble dans son côté un peu, je ne sais pas si c'est le mot, mais un peu têtu, tenace pour aller dans le sens de ses idées, quoi. Quitte à être à contre-courant, c'est pas grave, quoi. Tant qu'on y croit et que ça fonctionne, à peu près, et bien, il faut continuer à persévérer, quoi. Bonjour, ça va ? Oui, et vous ? Comme un vieux. Eh oui, mon pauvre, maintenant je ne sors pas très souvent. Et dans le Tarn, par là-bas. Eh bien, il pleut pas. Tout va bien ? Il ne pleut pas. Ah. Et là, ils annoncent trois fois. Moi, on n'est pas chez nous. Vous êtes venu chercher quelques patates. Quelques patates. Cette année, nous ne sommes pas riches. Et oui, parce oui, qu'il y a une triste récolte. Ouais. Ben, pour tout. Hein. On ne pourra pas manger des patates tous les jours. Ouais. Tant pis. Ouais, tant pis. Les carrés grands corolles sont à peu près corrects en grosseur. Il y en a peu, mais les charlottes sont petites. Mais non, tout le monde appelle, on dit non, on n'a pas beaucoup, attendez. Et on freine, quoi, parce qu'on n'a pas assez, c'est sûr. Là, il y en a combien de sorties déjà par rapport à la quantité qui reste en surface ? Là, il y a 2 tonnes 4. Un tiers de la surface, on a arraché. Ouais. Un tiers de la surface. Ce sont des particuliers, des habitués généralement, qui viennent à la ferme acheter des pommes de terre. La quasi-totalité de la récolte s'écoule de cette façon. Parmi les rares exceptions à la vente directe, ces marchandes de primeurs de Lautrec, dans le Tarn, elles aussi habituées de ces vignettes. Quand on aura le temps, réservé à l'hiver. La région est belle déjà, donc voilà, une belle architecture, de beaux paysages, ça c'est toujours très sympathique. Et puis voilà, on vient voir des personnes qu'on aime bien retrouver d'une année sur l'autre, ça nous fait plaisir de les voir. Et leurs pommes de terre, elles sont de qualité ? Ah oui, excellentes. Ah oui, toujours excellentes. Vraiment, un très très bon goût, très parfumé, et puis qui tiennent bien à la conservation. Donc, ouais, vraiment très très bonnes. Un bon fournisseur ? Oui, au-delà d'un fournisseur, mais un bon fournisseur aussi. Au-delà d'un fournisseur ? Oui, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est des gens qu'on aime bien voir, quoi. C'est pas juste une relation commerciale. Voilà, c'est pas juste simplement, on vient, on prend les patates, on les charge... Il y a quand même un échange, quoi. C'est quand même autre chose. Pour le compostage, donc, nous utilisons une machine, une grosse machine, donc comme nous n'avons pas quand même les possibilités de pouvoir nous payer une machine pour nous tout seuls, alors qu'on s'en sert quoi, quelques heures par an seulement. Nous l'avons en Cuma, donc une intercuma même, avec un chauffeur qui passe plusieurs fois dans l'année donc, et qui nous composte donc le fumier. L'avantage du fumier composté est qu'on en apporte à la terre un engrais qui n'est pas encore totalement assimilable, mais s'en rapproche. Alors que le fumier brut demande un temps pour être transformé et être assimilé par les plantes. Thank you.
Nous faisons un labour très peu profond, maximum 20 cm, pour éviter de chambouler la vie microbienne du sol, qui est différente en surface et en profondeur. Certains se sont convertis aujourd'hui à pratiquer les semis sans labour. C'est une bonne chose, seulement la chose qui n'est pas bonne du tout, c'est qu'elle oblige obligatoirement à utiliser du désherbant pour tuer cette végétation qui repousserait ensuite dans la culture. C'est dommage car cela, nous ne pouvons pas l'admettre nous en bio et c'est pour cela que nous continuons toujours à labourer un peu, mais très peu profond. Et un jour, il y aura une technique pour résoudre ce problème d'herbe ? Ben, on peut penser qu'un jour, peut-être, on trouvera une machine différente. La charrue, c'est vrai, n'est pas une très très vieille machine, elle a seulement un siècle et demi peut-être, ou il y aura plus, je pense. Donc peut-être que demain, nos successeurs auront trouvé une mécanique qui respectera cette terre, mais comment enfouir ou neutraliser l'herbe en surface sans l'enfouir, c'est quand même le hic, en dehors des désherbants chimiques. Voilà, nous sommes là dans la vieille maison, donc au coin certainement qui restait encore presque le plus près de son origine, donc avec les pierres qui étaient servies d'étagères pour poser toutes les ustensiles. C'était ce qu'on appelait la yeido en occitan, c'était la souillarde. Là où ma mère, ma grand-mère donc, rangeaient leurs ustensiles de cuisine, stockaient leur alimentation, dans un coin au frais, puisqu'il n'y avait pas de frigo, donc il fallait mettre les aliments dans un endroit un peu frais, surtout en été, pour les conserver un peu plus longtemps. En bas, bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas de tout à l'égout ni rien de tout cela. Il y avait un trou, il existe encore, donc, et qui partait directement à l'extérieur. Et les eaux usées, donc, du lavage, partaient directement dans un caniveau et allaient irriguer un peu le jardin au-dessous. Tout était recyclé sur place. De l'écologie, déjà ? Bien sûr, bien sûr. Nos ancêtres étaient plus écologiques que nous, même s'ils ne s'en prévalaient pas. Mais avec des pratiques différentes, il faut dire que la pollution de l'époque n'avait rien à voir avec la nôtre. C'était la pollution, je dirais, j'oserais dire la pollution propre peut-être par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Bien qu'apparemment elle puisse paraître très sale. Mais bon, c'était ainsi, et je pense dans la plupart des maisons. Voilà. Un peu comme nous vivions à l'époque. On n'était pas peut-être plus propre qu'aujourd'hui, apparemment, mais fondamentalement, on était bien moins sale. Le plan 4, le grenier donc. C'est ici qu'autrefois on a entreposé le grain. J'ai moi-même participé à porter le grain à ce grenier ici. Il fallait venir du sol qu'on appelait la partie qui est devant la maison où l'on mettait le blé en tas. Et quand la batteuse passait, on prenait le blé de la batteuse sur le dos, dans un sac bien sûr. On montait deux escaliers et on vidait ici le grain. On remplissait parfois les trois quarts de la surface avec du grain, je me souviens. Et puis après, pendant le reste de l'année, tous les jours, il fallait venir puiser le grain au grenier. Donc. Voilà.
Voilà, à l'époque, on nous a fait une maison un peu bizarre, c'est vrai, par rapport à ce qui se faisait dans le pays. J'avais trouvé un architecte un peu comme moi, donc, un peu bizarre aussi, mais qui avait des idées, de bonnes idées même. Et il m'a dit qu'il faut faire une maison bioclimatique. Et il m'a expliqué en quoi ça consistait. Une maison qui était assez autonome, à énergie passive, avec une importante masse thermique isolée par l'extérieur. Et après, il me dit, avec cela, si tu l'isoles bien, tu le chaufferas ta maison avec une chandelle. Il exagérait un peu, mais il n'avait pas tout à fait tort, car quand nous sommes rentrés à la maison, nous avons vraiment apprécié le climat et l'ambiance qui était à l'intérieur. Et nous en sommes toujours satisfaits encore 30 ans après. C'est une maison en terre. C'est une maison faite en bloc de terre. De la terre qui vient de très loin, de Morestel, dans l'Isère. Des blocs de parpaing de terre fabriqués avec 5% de ciment. De la terre pressée avec 5% de ciment. Mais les parpaings sont presque pleins. Ce qui donne une masse thermique à la maison, une masse thermique importante. C'est agréable d'habiter ? C'est agréable, car l'été, même quand il fait très chaud, il fait bon à l'intérieur, il fait assez frais. Et quand il fait très froid l'hiver, nous arrivons à nous chauffer qu'avec la cheminée ou la cuisinière à bois, sans aucun problème. Il fait très bon dans toute la maison. Dans toute la maison, j'ai bien dit. Coucher! Enterre également la maison où, à deux pas de là, dans le même pré, Isabelle et Vincent ont tout récemment choisi d'abriter leur nichée. Nous faisons nos semailles d'automne, c'est-à-dire que nous semons d'un mélange céréalier, mélange de plusieurs céréales, donc de l'orge, de l'avoine, du pois, du triticale et du seigle, parfois même un peu d'épeautre. L'intérêt de ce mélange, c'est tout d'abord d'avoir un résultat annuel assez régulier d'une année à l'autre, car si une année une céréale réussit un peu moins bien, l'autre va faire un peu mieux. Il va combler donc cette lacune. L'avantage aussi, c'est que cela amène davantage d'éléments différents aux animaux, donc pas besoin de supplémenter, de supplémenter beaucoup moins du moins. Et également, cela amène au sol certains éléments, car chaque plante prend des éléments, mais en apporte aussi également d'autres. Donc la diversité est ainsi un peu plus respectée et donne de l'efficacité au niveau du rendement. Nous en sommes d'ailleurs très satisfaits depuis maintenant plus de 30 ans que nous pratiquons cela. Il est vrai que cette façon de faire a été vue il y a quelques décennies comme vraiment une stupidité, car les agronomes spécialistes et spécialisés donc, disaient qu'il faut faire des cultures seules, car ici on maîtrise bien la culture, en mélangeant on ne peut rien maîtriser du tout. Eh bien non. C'est une erreur fondamentale. Même aujourd'hui, l'agriculture conventionnelle copie progressivement nos façons de faire. Et je m'en réjouis. La neige ne me déplaît pas du tout, bien au contraire. Un peu de neige à cette saison, ça détend un peu les esprits, ça calme, ça met un peu plus de silence. C'est très bon, je pense, pour la santé, pour notre santé. Nous avons besoin d'un peu de neige en hiver, en plus pour enrichir le sol, pour protéger les cultures, pour nous renforcer les nappes phréatiques en réserve pour l'été. La neige est un besoin indispensable à nos latitudes, à nous, ici.
C'était connu autrefois, nous avions de la neige même bien plus longtemps que ces dernières années. Et nous n'en étions pas plus malheureux pour autant, même s'il y a peut-être parfois quelques gênes pour circuler avec nos moyens modernes. J'aime bien, quand il y a de la neige, partir aller faire une petite promenade dans la neige, voir un peu qu'est-ce qui vit dans le pays, s'il y a encore quelques bestioles sauvages qui se promènent, voir qu'est-ce que c'est qui est sorti. C'est agréable. Là, ici, là. Là. Voilà. C'est-à-dire qu'avec le cahier des charges bio, nous impose d'utiliser les béliers parce que la synchronisation des chaleurs, pour utiliser l'insémination, il faut au préalable synchroniser les chaleurs auprès des brebis. Et la synchronisation des chaleurs utilise une hormone de synchronisation. Donc, vu que les hormones sont interdites avec le cahier des charges bio, on ne peut pas recourir à l'insémination. Donc on a 6 béliers entiers pour la lutte. Et un bélier vasectomisé pour mettre les brebis en chaleur tous les ans. Donc pour un troupeau de 250 brebis et 75 agnelles. Du coup, on a un agnelage un peu plus étalé. Donc nous, on a un agnelage qui va durer sur à peu près un mois, contre par exemple une bonne semaine si on avait insigné les brebis. Ce qui fait que chaque jour, nous avons 7-8 brebis, 10-12 brebis maximum, parfois avec 3 ou 4 qui mettent bas, étalés sur un mois. Donc la charge est beaucoup moins pénible et lourde à supporter que celui qui insémine son troupeau, ou alors il a les brebis qui mettent bas dans l'affaire de 5-6 jours, et il doit être présent là nuit et jour s'il veut avoir un peu de résultat, car quand vous avez 30-50 bêtes qui mettent bas ensemble dans une nuit, c'est très difficile pour se retrouver après. Et ceci a représenté, représente encore un poids important pour certains éleveurs laitiers qui utilisent cette pratique et qui le reconnaissent après en vieillissant. J'en connais même pas très loin de chez moi, qui avait failli même il y a 15 ans, 20 ans, en être perturbé psychologiquement le restant de l'année même, à cause d'un travail beaucoup trop ardu et très très prenant, là, nuit et jour. Nous, on les garde un mois. Un mois, au bout d'un mois, alors soit ils partent à 13 kg, ils partent dans un centre d'engraissement, donc où ils sont engraissés à la paille et à l'aliment à volonté jusqu'à 35 kg. Soit ils partent soit une petite partie part dans des boucheries où ils sont valorisés en bio, donc agneau de lait bio. Soit après ils partent à l'export autour de Noël en Espagne, en Italie, où ils sont abattus comme agneau de lait pour les fêtes. Il y en a 50 agnelés bio valorisés sur 330 à peu près qu'on vend par an. Donc c'est un petit marché de niche, quoi. C'est pas un gros marché, mais il y a quelques bouchers intéressés sur la région parisienne pour ce genre de produit. Voilà. Alors nous, ils sont tous bio. À partir du moment où ils ont été élevés ici, ils sont tous bio. Mis à part peut-être, ça peut arriver, un agneau qui a été malade ou qui a pris quelques antibiotiques, et du coup celui-là ne peut pas être valorisé en bio, quoi. C'est la contrainte du marché bio en fait qui n'est pas suffisamment développée. Et c'est vrai qu'on a que les agneaux vraiment de bonne qualité qui aujourd'hui sont valorisés en bio. Mais on travaille avec un groupement en fait qui cherche à développer cette filière. Et pour nous c'est intéressant, quoi. Chaque année on vend un petit peu plus d'agneaux en bio et on sent que ça prend petit à petit, quoi. C'est le travail sadique qu'on fait. Ça c'est pour la traçabilité. À notre échelle, on essaye un petit peu de faire le minimum, c'est-à-dire on pose une seule boucle aux agnelés au bout de 10 jours, contrairement à beaucoup de personnes qui la posent à un jour.
Et ensuite, on pose la deuxième boucle la veille de les vendre. Ça simplifie notre démarche pour l'identification. Et comment dirais-je aussi, ça soulage aussi la miaulée qui ne supporte pas deux boucles en permanence depuis sa naissance. C'est traumatisant ces boucles. Ah oui, le fait de la mettre à la naissance un jour, le petit agneau, il se chope deux boucles d'un coup aux oreilles. Je sais pas. Essayez-vous, vous verrez qu'est-ce que ça vous fait, mais c'est pas bien agréable. En un mot et en bref, ça vous agace un petit peu. Ça nous agace parce qu'en fait, c'est toujours, essayer de toujours de faire, de mettre des démarches en plus pour soi-disant assurer la traçabilité. Sauf qu'après, au niveau du produit, il n'y a rien qui est garanti au niveau du consommateur. Et ensuite, derrière, il ne faut pas se leurrer, il y en a qui se font, entre guillemets, les couilles en or, quoi. C'est le gars qui vend les boucles, elles nous sont facturées 1,20€ chacune. Le jeu, lui, il ne perd pas son temps, quoi. Eh bien, les petits agneaux s'en vont à l'abattoir ou à l'élevage, donc. Certains ont la vie qui est terminée pour eux au bout d'un mois. Les autres vont avoir encore la chance, si l'on peut dire, de survivre encore une paire de mois et puis finir sur la table d'un boucher dans l'assiette d'un consommateur. Disons que nous sommes habitués tous les ans à avoir le même scénario, mais c'est vrai que quand on réfléchit un peu plus près, c'est quand même un animal qui mérite un tant soit peu de respect en tant qu'être vivant. Il fait partie de la création comme nous. Chaque fois que l'on veut manger de la viande, il faut bien savoir qu'une bestiole a été tuée, égorgée, pour notre plaisir de consommer de la viande. C'est ça. Je ne sais pas si les gens sont toujours très conscients de ce que cela représente un peu. Je crains que dans les années qui arrivent, et je pense même qu'il faudra arriver à consommer un peu moins de viande, pour d'autres raisons également. On va limiter notre plantation aux pommes de terre cette année pour deux choses. D'une part, au niveau du travail, parce que ça demande beaucoup plus de manutention que la production de lait de brebis. Et d'autre part, au niveau de notre chiffre d'affaires, parce qu'on est au forfait, au niveau fiscal. Donc on a un certain niveau de revenus, enfin de chiffre d'affaires à ne pas dépasser si on ne veut pas basculer le système du réel, qui est pour nous est très désavantageux au niveau économique. Finalement, on se retrouve à toucher le plafond, donc du coup, on est même au point où on calcule le maximum de primes qu'on peut toucher et après ce qu'il nous reste à faire en production de lait de brebis ou de pommes de terre. Ce qui ne convient pas pour moi en tant que paysan, quoi. Parce qu'en fait, on vit pas principalement notre production. On est accroché un peu à ces aides qu'on essaye bien sûr, comme tout être humain, de gratter au maximum, quoi. Et en fait, on laisse un peu de notre côté notre production principale, quoi. La solution peut-être un troisième associé. Un troisième associé où on pourrait vivre donc à trois personnes sur notre petite ferme de Sévignac. Ce qui serait pas un exploit, mais par rapport à d'autres régions qui sont beaucoup plus faciles à travailler, je pense que ce serait un bel exemple. Donc cette ambiance d'être tout le temps avec du monde, moi je suis né un peu là-dedans et j'ai envie d'y rester, quoi. Donc en fait, trouver un troisième associé, quitte à avoir un peu moins de revenus par mois, moi je ne suis pas farouchement opposé, quoi. Ça permettrait à quelqu'un de plus de s'installer et ça serait un plus confort, quoi. Alors tu as fait partie de ces agriculteurs bio qui ont dû tout inventer. Vous étiez combien d'agriculteurs bio quand tu t'es lancé? Nous étions très peu à l'époque, nous étions 3 ou 4 peut-être en Aveyron. Oui, il y en avait toujours deux qui avaient commencé un peu avant moi ou un comme moi. Puis quelques années après, il y en a eu quelques autres qui se sont mis toujours dans le même ordre.
Nous étions peu nombreux, peu nombreux, peu nombreux, oui. Mais au bout d'une dizaine d'années, dans les années 75 peut-être, ou... Oui, 75 déjà, nous avions créé un syndicat, donc, d'agrobiologistes, on appelait ça, non ? Et nous étions arrivés à être le plus grand syndicat de France. Nous étions presque 100 adhérents. Voilà. Il faut savoir que dans ces 100 adhérents, il n'y en avait vraiment peut-être pas la moitié de véritablement paysans. Et peut-être pas un dixième qui faisait la chose vraiment correctement en excluant tout produit synthétique. Oui. Mais enfin, nous avions, donc on pouvait dire que c'était les participants et les supporters, je dirais, du mouvement. C'était nous étions nombreux à l'époque, je me souviens là. Et c'était un milieu très... avec beaucoup de chapelles. Ah oui, alors après, au fur et à mesure qu'on a grossi un peu au niveau national, disons, oula, 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 alors les chapelles se sont apparues et c'est vrai qu'il y a eu des querelles intestines, parfois très violentes, entre soi-disant bio de l'époque, parce que il y avait les bio le maire, puis il y avait les bio paysans biologistes, donc racineux, il y a les bio FESA, donc notre structure s'est créée. Il y en a eu, à l'époque nous étions 12 ou 13 mentions, après dans les années 84-5. Nous étions 12 ou 13 mentions différentes reconnues par le ministère de l'Agriculture. Ce qui n'était pas très favorable parce que dans ce milieu-là, on rencontrait un peu tout et n'importe quoi. Mais ça n'a été que l'affaire de 5, 6, 7, 8 ans. Après, la certification officielle, donc, qui est sortie après plus tard, a remis toutes les pendules à l'heure et tout ça a disparu. Oui, a disparu, disons. Il ne restait que 3 ou 4 mentions, si je puis dire, donc, qui tenaient la route et qui tiennent la route encore d'ailleurs. Et toi, Gilbert, tu as été l'un des organisateurs du bio en France. Oh, j'ai participé un peu, oui, très très modestement de mon pays profond ici, parce que pour monter à Paris, ça faisait loin. Et quand on montait à Paris, on y allait à nos propres frais. On ne nous remboursait pas le billet de train, on ne nous payait pas la soupe à midi. Il fallait se prendre en charge soi-même. Bon, je l'ai quelques fois, c'est vrai que ça m'intéressait de rencontrer d'autres collègues d'ailleurs, voir un peu comment ils travaillaient, quels étaient leurs problèmes. Et ça m'intéressait qu'on puisse se regrouper aussi pour essayer de faire entendre une voix un peu disons, correcte, un peu crédible de notre mouvement. Voilà, il a fallu du temps. Je fais un stage en alternance pour préparer un bac pro et pour faire un dossier technique. Et du coup, j'ai choisi cette ferme parce qu'elle est en bio et que j'aime bien le bio. Et que moi, pour moi, c'est l'avenir et la revente directe aussi. Le but de la manœuvre, c'est de fabriquer un engrais naturel pour la culture de la pomme de terre ici chez nous. En fait, le principe, c'est de réaliser un purin à base d'ortie. Donc, c'est de couper des orties fraîches, de les noyer dans l'eau, de les laisser fermenter pendant 15 jours. Et ensuite, on filtre, on récupère le purin pour l'appliquer sur la pomme de terre. Et en fait, c'est un engrais naturel très riche en azote. Et ça permet de... C'est un fortifiant foliaire pour la pomme de terre.
Donc, je viens de mettre du purin d'ortie dans mon pulvérisateur, qui va servir d'activateur de croissance pour les pommes de terre. À cela, je vais ajouter un peu de bouillie bordelaise, environ 2 kg. Voilà, ceci est un complexe d'algues marines, d'extraits d'algues marines pressées, avec quelques plantes également, quelques extraits de quelques plantes, je ne me rappelle plus lesquelles, qui ont un rôle d'activateur également au niveau des feuilles. C'est un fertilisant foliaire. Et tout cet ensemble va être pulvérisé sur mes pommes de terre, en espérant que dans une semaine, elles auront doublé en taille. Ça fait longtemps que vous faites ça? Ça fait bien longtemps maintenant que je fais ça, oui. Ça fait bientôt une trentaine d'années, sans doute. Oh oui, même bien 30 ans, même plus, peut-être. Voilà, ces patates coûtent pas mal de travail. Il faut les planter, ensuite il faut les sarcler deux fois, trois fois, ensuite il faut les buter. Et en même temps, selon les années plus ou moins, mais il faut aussi passer pour ramasser les doryphores à la main. Et c'est un travail assez astreignant. Et si on n'arrive pas à un traitement à base d'un insecticide naturel qui nous est autorisé, après cela, il faudra les arracher évidemment, les rentrer à la cave, les passer au calibreur, les peser, les étiqueter. Tout cela demande beaucoup de travail, c'est certain. Plus de main d'œuvre que si nous étions en culture classique, où on passe carrément un grand coup de désherbant, un grand coup d'engrais chimique au départ, et ça pousse jusqu'à ce qu'on brûle avant la récolte. L'agriculture biologique, donc, en règle générale, demande plus de main-d'œuvre, que ce soit en culture ou en élevage, en général, plus de main-d'œuvre, plus de temps passé qu'en agriculture conventionnelle. Mais le travail qu'ils nous demandent en plus est un travail qui est beaucoup plus sensé, je dirais, et que l'on fait en définitive avec beaucoup plus d'intérêt. Et quand le travail vous convient, que vous travaillez conformément à ce que vous pensez, eh bien, vous ne vous rendez pas compte de l'effort, ou l'effort est bien moindre que quand vous travaillez à contre-courant de ce que votre subconscient profond vous dicte. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Oui, vous aussi. Eh bien, à peu près comme on dit maintenant, vous allez. Jean Hiver, bon. Bonjour à tout le monde. Vous êtes en plein travail là, je vois. Voilà, ma petite fille. Il faut tâcher de la faire belle, hein. Voilà, elle est bien sage. Voilà. Oui, tu l'aimes. Eh. Voilà. Et merci. Puis merci à ta mère. C'est bon? C'est gentil, Chloé. Oui, voilà, ça va être. Ah bon, bon, alors c'est à moi maintenant. De suite. Oui, oui, oui. Faites-moi aussi beaucoup, Chloé. Oui, c'est le. Eh, c'est parfait alors. Et vous vous trouvez assez quand même à aller travailler comme ça à l'extérieur là-bas? La coiffeuse à domicile pour toute la famille, comme un pied de nez à la disparition des commerces et services publics en milieu rural, a commencé par le village voisin d'Abbas. Nous avions une vie locale très importante avec deux écoles, deux épiciers, deux forgerons, menuisiers, charpentiers, maçons, plâtriers, couturières, infirmières, que sais-je d'autre, cantinières. Négociant en bestiaux, nous avions pratiquement toutes les activités qui étaient rassemblées à Abbas. Et puis progressivement, avec l'urbanisation, le village s'est vidé de toutes ses activités. Et aujourd'hui, il y a autant d'habitants qu'autrefois à Abbas, mais tous sont habitants à Abbas et travailleurs à Rodez ou dans les environs. Mirka, fine vi? Nieto vi, vi, vi. Nieto vi. C'est le premier jour de la mise à l'herbe cette année. Donc, elles sont dans la bergerie depuis le 10 novembre, depuis la mise bas. Donc aujourd'hui, c'est grande fête pour les brebis. Ouais. Elles partent, on dit en patois qu'elles rébourdelles. Elles partent en courant dans tous les sens. Enfin, elles prennent plutôt l'air aujourd'hui que pâturer parce que
C'est un peu faire la transition entre la ration hivernale et la ration maintenant, la mise à l'herbe, la pâture quoi. Alors on a regardé que ce ne soit pas l'olt qui buffe comme on dit. Donc aujourd'hui c'est sur le vent du nord, donc ça, c'est un bon vent. Et après on a regardé le calendrier lunaire, planétaire. Nous avons un calendrier lunaire, plus que pour cela, et même pour nos cultures, que nous essayons un peu de respecter autant que l'on peut, et surtout pour le premier jour où nous sortons les brebis à l'herbe. Ça c'est intéressant, c'était très important, car depuis que nous le faisons, nous avons toute l'année ensuite nos brebis qui sont sages dans le pâturage. C'est très très rare dans l'année que nos brebis sautent la clôture. Un renfort venu de Londres ces dernières heures dans la bergerie des Espinasses. Marc est cameraman, spécialiste des sports à la télévision britannique. Au temps de ses 20 ans, il a fait partie des dizaines de jeunes du monde entier qui sont venus faire un stage chez Daniel et Gilbert. C'est chouette, hein ? Bien ? Ouais. Is he asking you to do a photo? Of you? Oui, oui. C'est des très bons souvenirs. C'est des très bons souvenirs, mais un peu pénible. Qu'est-ce que c'est pénible? Un peu dur, le travail. Alors, qu'est-ce que tu fais avec la laine? Okay. La laine, nous la vendons à un petit négociant qui la ramasse dans le pays auprès des éleveurs et qui ensuite la vend, je ne sais plus trop où, je pense à l'exportation vers la Chine ou le Japon. Mm-hmm. Ça part pour un prix dérisoire, ça vaut combien maintenant? Ça vaut à peine un quart d'euro le kilo. Alors que mon père, il y a 60 ans environ, la vendait jusqu'à 8 francs le kilo. 8 francs le kilo, ça ferait 1,20€ à peu près. Ouais. Et il faut dire qu'à l'époque, c'était quelque chose qui payait la laine. On la ramassait, tu sais, mon grand-père venait derrière, ouais, là, et tous les petits bouts de laine, ouais, il n'en laissait perdre aucun. Ouais. Parce que ça valait cher, la laine. Puis ouais, c'était un peu sacré, la laine. Ouais. C'est un pèlerinage, Marc ? C'est un peu peut-être un pèlerinage, mais... je veux revenir et je veux bien que mes enfants ils voient la ferme et c'est un petit morceau de ma vie que je veux qu'ils comprennent. On va voir si les poules ont faim. L'air de la gadoupia. Et qu'elle vient. Plou, 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 plou. Côté, 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 côté. Gilbert me donne les philosophies de la vie et ta vie et ma vie et il pense toujours. Il est un homme très intéressant. Gilbert, il ne voyage pas dans ce temps, mais il avait toujours les stagiaires qui viennent et il lui parle de leur pays et leur idée et il a voulu toujours comprendre un peu des autres pays. Voilà le grenier. C'est ici que je suis dormi. Dans cette chambre, la petite chambre. J'ai ramassé les pierres. Vraiment encore. Donc... toujours, toujours. J'ai le couteau que Gilbert m'a donné il y a 25 ans. Oui, je sais, tu c'est le même. Ah, tiens. Je l'ai dit pour l'autre. Ah, ouais. T'es plus professionnel. Tu vois, je parle pas du tout. Ton fils, au moins, il fait honneur à mon friton. Pardon ? Ton fils, oui, me fait plaisir parce qu'il mange bien le friton. Ah oui, oui. Voilà, on est là.
Marc avec Manfred et Thomas. C'était mince là, hein, Marc, t'avais pas de ventre. Et tu vois, celle-là, là, c'était David. Il était chez nous quand Samuel est né. Oui. Et ça, ce sont ses parents qui étaient venus. Je suis revenu et j'ai vu le chien. Oui. Et ça, c'était ses parents qui étaient venus d'Amérique pour le voir. Oui. Et oui. Alors, Daniel, ça te fait plaisir de revoir des stagiaires comme ça? Très. Si ça ne me faisait pas plaisir, quand il a téléphoné l'autre jour, je lui aurais dit non, 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 je ne veux pas te voir. J'ai dit mais oui, viens, il reste le temps que tu veux. Il en vient souvent, je crois. Oh, on aimerait qu'il vienne encore plus souvent. De Berlin, Tokyo, Los Angeles, Dublin ou Rabat, ce sont quelques 70 filles ou garçons qui, à cette date, ont défilé à la ferme des Espinasses pour des stages de quelques jours ou quelques mois. Daniel, le jardinage, c'est ton grand plaisir? C'est mon grand plaisir. Depuis, tu vois, là, de voir que ça pousse, après on va le manger, on mange des produits qui sont sains, bien cultivés, sans engrais, sans rien, qui ont poussé cette année avec la pluie. C'est une satisfaction. Quand on vient au jardin, on repart, on prend un peu de salade, un peu des carottes, un peu de tout. Il y en a tout ce qu'il nous faut pour faire le repas du midi. Je suis une paysanne dans le sang et si c'était à refaire, je referais pareil. Parce que ce que je fais, ça me plaît. Je viens au jardin, ce n'est pas par force. Et quand je faisais paysanne, ce n'était pas par force que j'allais traire les brebis, ça me plaisait. Tu as souffert toi aussi à l'époque où on vous... broncardé un petit peu parce que vous étiez des agriculteurs bio, parce que ça t'a fait souffrir toi aussi? Ah oui, parce que tu te disais les autres, ben, on nous prend vraiment pour des rigolos. Et bon, et quelque part, ça fait mal au cœur, quoi. Les haricots? Berk. J'ai suivi Gilbert parce que je pense que si ça avait été que moi, je ne serais pas allé si vite dans le bio. Pourquoi? Ben, parce que quand on voyait les autres qui réussissaient bien et puis toi à côté qui avait des fois des mauvaises cultures ou des mauvais rendements, bon ben ça te faisait un peu réfléchir quoi. Tu te disais est-ce que c'est le bon chemin? Mais aujourd'hui je dis qu'on a fait le bon choix. Puisque maintenant, écoute, on est tous en bonne santé, on a une belle famille. Et je pense que c'est le principal. Tu es une femme heureuse? Je suis une femme heureuse avec des petits-enfants qui me donnent beaucoup de joie. Nous sommes donc à l'abbaye du Sauvage ici, une abbaye très ancienne qui était pratiquement en ruine il y a quelques 10-15 ans et qui est en train de renaître. Et je vois que les travaux ont avancé, puisque maintenant il y a une partie qui est même en bon état, pratiquement. J'ai connu ces lieux quand j'étais tout gamin. Je venais à la vigne que nous avions en face avec mon père. Et on venait avec le char à bœuf quand il fallait venir chercher la vendange. Nous descendions dans ce vieux chemin qui n'était pas aussi en aussi bon état. Et puis on traversait dans le bois, un tout petit peu au-dessous. Et nous arrivions à la vigne en face. Attends, Sévignac ici, ça fait quand même, je sais pas, 4 bons kilomètres quand même. Ça fait 4, même 5 kilomètres, oui. C'est vrai que pour venir comme autrefois avec les bœufs, il fallait bien une bonne heure et demie. Même peut-être 2 heures quand nous étions chargés au retour. Mais bon, tout le monde allait un peu à ce niveau-là, à cette époque, à ce rythme-là, je dirais, voilà. Voilà, c'est ici qu'était notre vigne. Une vigne que j'ai cultivée jusqu'à l'âge de 30 ans. Mais après, elle était vieille, il fallait la replanter. Et puis les voisins, car tout le pays environnant, sur ce penchant, était recouvert de vignes. Les voisins l'avaient presque tous abandonné également. Et j'ai suivi le mouvement.
j'ai abandonné la vigne. Venir à la vigne me plaisait beaucoup. Quand je venais ici, parfois il fallait travailler très dur. Quand on venait par exemple pour piocher, là, au mois de mai, il faisait chaud dans le travers. Mais ça ne me déplaisait pas. On était tranquille. Tranquille, on entendait les oiseaux toute la journée. Pas d'autre bruit perturbateur. Et puis le travail de la vigne, tailler la vigne, lier la vigne en faisant la couronne, là, c'était quelque chose qui me plaisait. Quand nous vendangions et que nous portions le raisin dans le panier sur la tête, il nous tardait d'arriver à haut, au chemin, car du fond de la vigne jusqu'ici, c'était long et ça pesait sur le cou. Aussi le soir, on dormait sans se faire verser. Mes repérages m'avaient conduit en plein cœur de l'Aveyron, où les paysans ne cessent de disparaître d'année en année. J'avais voulu aller à la rencontre de petits paysans, jeunes, déjà installés, tous désireux de continuer à habiter cette terre et fiers de pouvoir vivre encore aujourd'hui comme paysans. J'avais alors commencé à filmer Marielle, installée depuis peu avec son compagnon, Gwenaël. Allez, mes mères. Nous treillions pour Roquefort depuis maintenant 35 ans. Et puis, quand mon fils s'est installé, donc il y a une dizaine d'années, 12 ans exactement, même déjà, nous n'avions qu'un petit quota, Roquefort ne voulait pas nous donner davantage. Le prix du lait était payé chaque année avec une courbe toujours descendante. Que faire d'autre? Nous avons donc quitté Roquefort avec quelques autres producteurs. Nous avons commencé à monter un petit groupement, un GIE, un groupement d'intérêt économique. Nous avons récolté notre lait et nous sommes allés le proposer à des transformateurs dans la région et dans les départements voisins. Et puis ça a tellement bien marché qu'au bout de 3-4 ans, nous avions une affaire qui tournait et qui nous revalorisait notre production comme jamais nous n'aurions pu imaginer. Nous pouvions produire alors autant que l'on voulait et à des prix quand même nettement supérieurs. Et puis pour plusieurs raisons, un peu de changement de philosophie au niveau de ce GIE, je dirais. Mon fils, donc, a souhaité se retirer, ainsi que quelques autres producteurs. Et nous livrons maintenant, donc mon fils et son associé livrent à une petite structure qui fait quand même partie d'un groupe un peu plus important, mais qui est encore à un niveau familial, qui est installé donc à Lozère, à la Canourgue, et qui traite donc que du lait de brebis bio, avec une production seulement de yaourt pour l'instant. Ça marche très bien. Quand nous sommes rentrés, nous avons choisi la quantité de lait que nous pouvions produire. Nous avons également discuté pour avoir un prix revalorisant. Et jusqu'à présent, nous sommes satisfaits. Jusqu'à il y a 10 ans, c'est-à-dire pendant 20 et quelques années, nous avons vendu notre lait comme les voisins qui étaient en agriculture classique. Nous ne le vendions pas plus cher et il partait mélangé avec le lait de tous les autres. Bon, nous n'avions aucune revalorisation de notre effort de production en bio. Mais au moins nous avions la satisfaction, enfin du moins moi, de ne pas participer ou participer moins, je dirais, à l'empoisonnement du peuple, si je veux être un peu peut-être excessif, mais c'est quand même progressivement et continuellement, journellement, qu'en consommant des produits toujours un peu traités, voire même très traités, on arrive ensuite aux problèmes graves de santé que nous voyons aujourd'hui. L'agriculture biologique, c'est vrai, correspond à une technique, mais ce sont des techniques ou une technique qui est guidée fondamentalement par une philosophie ou une éthique, je ne sais plus comment il faut appeler ça. Car chez nous, en bio, contrairement à l'agriculture conventionnelle, ce n'est pas l'éthique, ce n'est pas chez nous la technique qui va diriger l'éthique ou l'influencer, mais c'est bien l'éthique ou la philosophie qui va diriger la technique. Car la technique seule, on le voit aujourd'hui hélas partout, la technique seule, c'est la perte de l'individu. Alors en fait, ça c'est un plateau de grains germés. Donc c'est notre céréale qu'on met à tremper et ensuite qu'on met à tremper une journée, qu'on laisse égoutter pendant 4 jours.
Donc en fait sur le montant que vous avez derrière là. Et en fait l'intérêt c'est de faire germer la céréale pour qu'elle soit beaucoup plus assimilable par les animaux. Nous pourrions faire germer davantage de grains, même tout le grain que nous donnons à nos bestioles, le faire germer tout, c'est certain, nous aurions certainement un meilleur résultat et une économie de grains. Mais seulement nous avons un problème technique avec la machine à traire qui ne peut pas distribuer du grain humide. Peut-être qu'un jour, prochainement, si la technique modifie, on pourra peut-être carrément donner que du grain germé à nos bestioles. On a appris beaucoup de choses, disons, on a appris ça sur le tas, on a appris ça un peu en allant visiter d'autres collègues qui avaient fait quelques petites découvertes, quelques petites inventions, et puis nous-mêmes on a fait quelques petites observations qui nous ont permis d'avancer tout doucement, et puis avec le temps, disons, la meilleure école, ce n'est pas l'université, même la plus grande qu'il puisse y avoir, c'est l'école quotidienne de la vie, c'est celle-là la plus juste, qui ne trompe pas, à condition d'être assidu et d'être observateur à cette école-là. Allez. Bonjour, monsieur Dupont. Bonjour, monsieur. Rentrez, comment va? Depuis qu'on ne s'est pas vu, et vous-même, depuis que vous ma foi, moi, ce petit temps, ça me convient. Je vous trouve toujours aussi... J'aime pas trop la chaleur. Ah bon. Alors, aujourd'hui, je vis. Ah bon. Eh bien, écoutez, rentrez. On va rentrer, continuer à vivre un peu à l'intérieur. Eh bien, oui. Voilà. Je vous trouve toujours aussi leste et aussi... Une autre visite sympathique chez les Espinasses cet après-midi-là, celle de Louis Dupont. Il fut le professeur d'agronomie de Gilbert à l'école d'agriculture de la Roque. Gilbert est resté en relation d'amitié avec son ancien maître. Il nourrit à son égard une estime profonde, même s'il n'a pas toujours suivi ses préceptes, au point de lui donner parfois quelques frissons. Tu te souviens que... Mais tu te souviens de la fameuse réunion qu'il y avait les bio et les antibio? Où? Mais à la Roque. Ah, ça a été plus tard, ce truc. J'étais venu un jour à une réunion, il y a longtemps, j'étais à une réunion d'anciens élèves de la Roque, mais c'était peut-être 10 ans après que j'étais, ou 15 ans après que j'étais sorti, 10 ans peut-être. Mais... Oui, nous avions mangé à côté, je sais. Je vous avais dit que je m'étais mis en agriculture biologique, à l'époque personne ne me connaissait bien. Et vous aviez été très surpris. Ah, vous m'avez dit, comment? Toi, tu as fait ça? Mais c'est pas vrai, vous m'avez dit. Et j'ai dit, si, moi, mais... j'étais un peu... Mais, il m'a dit, mais tu n'auras rien quand tu auras fini les engrais de la terre, tu n'auras rien, il m'a dit. Non. Je me rappelle, ça, mais ça, vous me parliez sincèrement. Eh bien oui. Je m'en rappelle en bon escient. Ben oui. Oui, mais je me souviens. C'est qu'il y a longtemps de ça. Malheureusement, je ne me souviens pas de quelle année c'était ce truc. Mais justement, il y avait des discussions ardues. Ah, mais c'est ça qui est intéressant. Sur le bio ou pas bio. Exactement. Alors, moi, pourquoi j'étais monté en guerre contre le bio? C'est parce qu'à cette époque-là, vous faisiez estorquer par des marchands qui n'avaient pas beaucoup de conscience. On s'est fait estorquer un temps, moi-même, par des marchands, comme vous dites. Exactement. C'est vrai. Encore un peu douce. Il faut bien la maturité qu'il y a. La moissonneuse batteuse est certainement l'outil qui nous a amené le plus de révolutions dans notre activité. Car autrefois, récolter le blé, c'était un travail qui durait longtemps. Il fallait commencer à couper le tour du champ avec la faucille pour faire un passage, pour passer avec la moissonneuse. Ensuite, il fallait couper avec la lieuse. Ensuite, il fallait faire des croisillons avec les gerbes dans le champ.
et puis aller faire le gerbier à la maison pour faire le battage. Et ensuite battre, bien sûr, pendant... On allait aider aux voisins, ça durait bien au moins 3 semaines ou 1 mois. Ça faisait un travail qui était quand même très prenant. Alors qu'aujourd'hui, dans une journée, une demi-journée, c'est moissonné, c'est trié, c'est engrangé, c'est fini. En matière de blé, donc, il n'y a pas encore, à ma connaissance, d'OGM sur le marché chez nous. Mais il y a par contre des variétés aujourd'hui de céréales, et plus que de céréales, mais surtout de céréales, qui ont été produites rapidement à comparer avec ce qui était fait autrefois, il y a 50 ans, 100 ans, où les variétés étaient construites par le temps, par les siècles, par le climat, qui avait vraiment personnalisé les variétés à leur terroir. Alors qu'aujourd'hui, tout cela est fabriqué en laboratoire, dans des champs d'expérimentation, où l'on expérimente cela très vite et dans des conditions, bien sûr, optimales, maximales, je ne sais pas, et qui donnent des variétés qui, parfois, peuvent donner, c'est vrai, de quantités plus importantes, mais qui, si on les ressème, dégénèrent très vite, très vite. Autrefois, mon père achetait 100 kilos de blé tous les 5, 6, 7, 8 ans. Aujourd'hui, il faudra bientôt, je pense, le changer presque tous les ans. Nous recevons encore 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais on observe certes une baisse de quantité au niveau de ces années-là. La moisson de batteuse, c'est très pratique, mais ça a un coût quand même qui n'est pas à négliger, parce que l'entrepreneur qui nous moissonne prend environ 100 à 120 euros de l'heure. Donc dans notre situation à nous, nous avons des terrains qui ne sont pas très riches. Nous faisons un peu de céréales, mais peu, parce que ça coûte beaucoup par rapport à ce que ça peut nous apporter. Le fourrage, surtout la luzerne, est bien plus intéressant, parce que ça produit, une fois qu'on l'a mis en place, sans autre entretien annuel. On ne fait que faucher et récolter. Un paysan qui n'est pas économe, dans nos petites fermes à nous, nos petits systèmes pluriproductifs, si l'on n'est pas un peu économe sur tous les points, on a très vite, je dirais, bouffé la grenouille. Ah oui, 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 oui. Fête ce soir dans des bâtiments agricoles du petit village de Cap-Longue, la fête des agriculteurs bio de l'Aveyron. Il aura plus à vous dire. Maintenant, je ne connais plus beaucoup de bio. Jusqu'à ces 10 dernières années, je les connaissais tous parce que nous étions moins nombreux. Maintenant, ils sont 500 ou plus. Je ne les connais plus tous. D'abord, c'est un ami, Gilbert, depuis longtemps. Et pour moi, c'est un des premiers porteurs de l'agriculture biologique et de l'agriculture paysanne dans le département. Parce que dans les années 70, le combat qu'il a mené n'était pas très évident. Parce que c'était en plein boom de l'agriculture conventionnelle et il s'est battu contre vents et marées pour arriver aujourd'hui. Et tu vois, à la Réunion, à 500 producteurs bio en Aveyron. Voilà. Pour moi, et c'est quelqu'un qui a porté de toute son énergie l'agriculture biologique et l'agriculture paysanne. C'est une référence. L'agriculture biologique répond aux besoins fondamentaux et vitaux de l'homme sur cette planète.
C'est pour cela que je suis optimiste quant à son avenir. Encore faut-il que les acteurs bio, les paysans bio, sachent garder la maîtrise de leurs mouvements, ceci toujours en ayant à leur côté les consommateurs. Ils doivent être attentifs également aux dérives possibles vers une industrialisation de la démarche qui est souhaitée par certains businessmen et la grande distribution surtout. Ils cherchent à industrialiser le mouvement pour obtenir beaucoup de quantités, mais avec une qualité qui, hélas, sera obligatoirement très diminuée. Les jeunes qui montent sont sensibilisés par l'environnement et seront très sûrement garder cette éthique et la défendre. J'en suis certain. Du coup, nous avec Gildas, on suit derrière avec le râteau pour atteler la paille qu'il oublie, parce qu'encore, il oublie quand même un peu de paille. Quoi. C'est son chouchou là, votre lève. Voilà, c'est son chouchou. Ouais. Mais nous, le râteau à bois, c'est pas notre chouchou avec Gildas, ça passerait bien. On le ménage un petit peu aussi, pour qu'il dure un peu plus longtemps. Voilà.